Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs. C'est un plaisir, une joie pour moi de vous trouver sur votre émission Retour à la parole de Dieu. Donc je suis votre frère Evra et c'est une joie, encore comme je le disais tout à l'heure, d'être là et de se tenir au nom d'Élohim, au nom de Yahweh, de Yahushua, notre Seigneur, pour parler de sa part. Donc avant de commencer ces moments, je voudrais prier, voilà, pour remettre tous ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu es digne, tu es grand, tu es roi, et quoi que nous fassions, nous devons le faire, nous devons le faire pour la gloire de ton nom. Et tu veux que nous puissions t'élever, Seigneur, et au choix, Seigneur, que ce soit en parole ou en acte, Seigneur. C'est pourquoi prends le contrôle, je te prie, Seigneur. Sois glorifié par les propos, par l'état des cœurs, Seigneur, de tout ce qui sera fait, Seigneur. Bénis ceux qui regardent cette émission maintenant et ceux qui la regarderont plus tard, Père. Au nom de Yahushua, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta conduite. Tu es digne au nom de Yahushua. Amen. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur et je profite de l'occasion justement pour annoncer aux frères et aux sœurs que Réveil TV est maintenant sur le réseau local à Port-Gentil, donc sur la fréquence 695.25, canal 49. En UHF, donc il vous suffit d'avoir une antenne râteau ou antenne Yagi comme on l'appelle, pour avoir le signal, ou sur Satcon Port-Gentil au canal 24. Voilà, on aura l'occasion avec toute l'équipe d'organiser une émission dans ce sens, mais on profite déjà à donner l'émission. Voilà, donc ce soir, le Seigneur me met à cœur de partager une courte exhortation avec les frères et avec les sœurs qui nous regardent ce soir et qui la regarderont plus tard. Donc on va prendre. On va prendre la Bible, on va partager un passage dans le livre de Genèse au chapitre 12. On va lire le verset 1 et jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Voilà. Donc vous avez la Bible qui s'affiche à votre écran. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de la patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc voilà ici, frères et sœurs, c'est une promesse que Yahweh va faire à Abraham, le père de la foi. Et il va lui dire, sors, pars, il lui dit, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie. Vous voyez? Donc, la promesse que le Seigneur va donner à Abraham était rattachée au fait de sortir. Et il va lui demander de partir vers la terre qu'il va lui montrer, c'est-à-dire une promesse qui est basée sur un événement futur auquel Abraham devait s'attendre de la part d'Élohim, de Yahweh. Vous voyez, et le Seigneur, notre Dieu, notre Elohim, c'est quelqu'un qui fonctionne avec les principes, en fait. Le Seigneur fonctionne avec des principes. Et dans les principes du Seigneur, il y a le principe de la promesse. Or, le problème avec les promesses du Seigneur, pour nous les hommes, c'est que nous ne sommes pas dans le même calendrier que le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur fonctionne dans un calendrier, dans un temps. La parole nous enseigne que un jour sont comme 1 000 ans devant lui, et 1 000 ans sont comme un jour. Or, vous et moi sommes basés sur le calendrier grégorien. D'ailleurs, nous sommes en 2020, le 31 décembre 2019. Lorsque nous sommes passés au 1er janvier 2020, on s'est réjoui parce qu'une année était passée. Mais pour le Seigneur, bien qu'il tienne compte des années calendaires que nous utilisons, donc le calendrier grégorien, le Seigneur aussi, d'accord, est dans son temps. Et la Bible nous enseigne qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc ça veut dire que le Seigneur n'est pas dans notre temps, mais il est plutôt dans son temps. Et c'est ça toute la difficulté, vous savez, pour notre marche chaque jour avec notre Elohim. Parce que nous disons, Seigneur, mais tu nous as promis des choses dans ta parole, tu nous as promis des choses dans notre intimité. Tu as envoyé des frères venir nous confirmer ces choses, des sœurs. Nous avons reçu des songes, nous avons reçu des visions, Seigneur, même quand nous ne nous attendons pas et nous sommes surpris jusqu'à présent, ces choses n'arrivent pas. Ces choses n'arrivent pas, Seigneur. Pourquoi? Regarde, ça fait 10 ans, j'attends X choses, Y choses, telle promesse que tu m'as faite.
Pourquoi elle n'arrive pas, Seigneur? Je ne comprends pas. Regarde, même des personnes qui se sont converties après moi ont déjà obtenu ces promesses. Et souvent, tous, autant que nous sommes, sommes passés par là, ou passons par là, ou passerons par là. Et souvent, notre réaction n'est pas forcément bonne devant le Seigneur. Pourquoi? Parfois par ignorance, parfois à cause de la pression, à cause du complexe du regard des hommes, nous avons du mal à nous aligner au temps de Dieu. Or, la parole nous dit que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Voyez. Et ici, le Seigneur va donner dans Genèse 12, 1 à 3, une promesse à Abraham. Il va dire à Abraham, « Je ferai de toi un peuple grand. » Or, la parole que le Seigneur va donner à Abraham ne va pas s'accomplir à l'instant où Abraham va la recevoir. Et c'est ça avec le Seigneur. Lorsque Elohim donne une parole, il prend le temps afin que cette parole s'accomplisse. Il prend son temps. Et il va prendre le temps de nous préparer. Il va préparer des événements, des circonstances, les temps, les lieux, les hommes, toutes les circonstances pour que la chose arrive. Et c'est là que la parole nous enseigne que le Seigneur, d'accord, il fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Pour l'exemple d'Abraham, on va se rendre compte que lorsqu'Abraham va sortir, il va sortir malheureusement avec son père. C'est d'ailleurs son père qui va le faire sortir. Le Seigneur va utiliser son père. Mais il va aussi sortir avec Lot. Et ce n'est pas ça l'objet de notre partage, sur qui est Lot et tout le reste. Mais souvent, lorsque le Seigneur nous fait des promesses, on peut malheureusement ne pas sortir, ne pas faire ou ne pas comprendre entièrement la parole du Seigneur, la vision du Seigneur pour notre vie. Et donc, le temps est nécessaire pour pouvoir justement comprendre la pensée du Seigneur. Parce que le Seigneur, vous savez, c'est un père pour nous. Il n'est pas un tortionnaire. Voyez, c'est un Elohim responsable qui prend la peine de nous instruire avec patience. Et avec le cas d'Abraham, des années ont passé et il a fallu attendre une circonstance pour qu'il y ait une séparation entre Abraham et Lot. Abraham s'est dirigé vers le côté de Sodome et Gomorre et Abraham est resté, d'accord, du côté qu'il avait choisi. Donc, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous fait des promesses, ces promesses sont rattachées au temps. Elles sont rattachées au temps. Et nous pouvons voir effectivement que dans les promesses du Seigneur, si on peut réafficher le texte à l'écran, s'il vous plaît, l'équipe technique, dans les promesses du Seigneur, on va voir que le Seigneur va promettre quoi à Abraham, il va dire, « Et je te bénirai. » Au verset 2, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Effectivement, quand on regarde ce passage, on se rend bien compte que le Seigneur fait une promesse de bénédiction à Abraham, et cette bénédiction termine, d'accord, par le principe de la multiplication, d'accord, des enfants d'Abraham. Or, Abraham n'avait pas d'enfants et le temps était passé parce qu'Abraham était âgé déjà lorsque le Seigneur va l'appeler. Et on voit dans les Écritures que Abraham va être âgé d'un certain nombre d'années alors que Saraï, son épouse, était âgée, je crois, de 90 ans. Et on va se rendre compte que, à 90 ans, selon notre temps, la femme doit être ménopausée. Et Abraham, à son âge, lui, il était censé être impuissant, donc incapable de pouvoir concevoir des enfants. Le Seigneur va lui faire toujours les promesses. Donc on va voir que le Seigneur va prendre du temps pour travailler entre la promesse et la naissance d'Isaac. Le Seigneur va prendre du temps pour travailler. Et dans ce temps, malheureusement, Abraham va faire des erreurs. Pourquoi? Parce que Abraham ne va pas rester attaché aux promesses du Seigneur. Il ne va pas plutôt chercher quelle est la pensée du Seigneur. Il ne va pas rester focalisé sur la pensée du Seigneur. C'est ce qui va faire en sorte que Abraham va commettre des erreurs. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous donne des promesses, lorsque le Seigneur nous promet des choses, ça peut être des choses spirituelles, d'accord? Ça peut être le salut de notre famille, ça peut être la conversion des enfants, ça peut être un appel, d'accord, que je vais utiliser. Il faut que nous restions dans le temps du Seigneur, à l'attente du temps du Seigneur. Pourquoi? Parce que si on se précipite à faire les choses hors du temps du Seigneur,
on va faire des dégâts comme Abraham en a fait. Vous voyez? Et dans les erreurs d'Abraham, aujourd'hui, on a Ismaël. Vous voyez? On a Ismaël qui est un des fils d'Abraham, qui est le premier fils d'Abraham, n'est-ce pas? Mais qui n'était pas le fils de la promesse. Et aujourd'hui, on voit ce que ça engendre au Proche-Orient. La guerre, d'accord, entre Israël et la Palestine. D'accord? Parce que tout ça, ce sont les fruits d'Abraham, ce sont les enfants d'Abraham, vous voyez. Or, pour le Seigneur, il voyait normalement par Abraham Israël, la nation d'Israël, vous voyez. Mais par l'erreur d'Abraham, aujourd'hui, on se retrouve là. Ouais, mais le Seigneur est bon, Yahweh est bon, il sait pardonner nos erreurs et nos péchés. Et le temps était nécessaire pour que le Seigneur puisse justement travailler pour amener Abraham à comprendre. Et dans la parole, on a plusieurs exemples comme ça. Du temps que le Seigneur a pris pour façonner les hommes. Vous voyez, quand on lit par exemple l'histoire de la naissance d'Isaac par Abraham, on comprend bien que le Seigneur va prendre du temps pour sa naissance, mais en même temps aussi avec Isaac, d'accord? Le Seigneur va prendre du temps pour lui donner des enfants. Vous voyez, le Seigneur va prendre du temps pour lui donner des enfants. Quand on regarde l'histoire, je crois qu'il s'écoule à peu près 13 ans ou 20 ans comme ça, non, 20 ans avant qu'il puisse avoir des enfants, vous voyez, avec Rebecca. Donc, le Seigneur, lui, il prend le temps, d'accord, pour façonner les hommes. Et on a une histoire magnifique dans la parole du Seigneur. On n'aura pas forcément le temps de lire tous les passages. On a une histoire magnifique dans la parole, c'est l'histoire de Joseph. Alors, l'histoire de Joseph, on va aller dans, on est toujours dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37. Genèse au chapitre 37. On n'aura pas l'occasion de tout lire. Genèse chapitre 37. Genèse au chapitre 37, on va lire à partir du premier verset. Genèse chapitre 37 à partir du premier verset. Donc nous parlons là justement de l'attente des promesses du Seigneur. Pour ceux qui prennent l'émission, nous sommes en direct sur Réveil TV. Genèse chapitre 37 à partir du premier verset. Merci les frères. Si on peut légèrement descendre, voilà. Or, Jacob demeura dans le pays de Canaan, pays où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses fils parce qu'il était le fils de sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus qu'eux, tous le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Alors, si on peut légèrement agrandir les caractères, légèrement agrandir la police, voilà, encore un tout petit peu. Voilà, voilà, merci l'équipe technique. Ok, merci beaucoup. Verset 5. Joseph rêva un jour et il raconta à ses frères, on est au verset 5. Joseph rêva un rêve et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit donc, écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe se leva et s'éteint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu sur nous et domineras-tu sur nous? Et ils le haïrent encore plus par ses rêves et pour ses paroles. Et nous savons tous que, voilà, Joseph avait 17 ans lorsque le Seigneur va lui donner ses rêves. Et par la suite, on peut rester sur le passage, on va lire la suite. Il va avoir un deuxième rêve. Au verset 9. Et il rêva encore un autre rêve. Et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici, le soleil, la lune et les 11 et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père. Verset 10, on est au verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi ?» Verset 11,
Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Voilà un homme qui a reçu deux rêves de la part du Seigneur et qui certainement, comme chacun d'entre nous, a pensé que voilà ce que le Seigneur lui avait montré par ses rêves, les deux rêves qu'il avait rêvés, devait s'accomplir certainement dans un temps proche. Mais la Bible nous enseigne que Joseph, avant d'accomplir justement, de rentrer dans les promesses de ses rêves, parce que les rêves étaient des visions que le Seigneur avait données à Joseph, et pour que ses rêves s'accomplissent, mais il fallait que le Seigneur travaille Joseph. Et le temps est passé. Voyez. Donc, dans le principe de la promesse, il y a le principe du temps, le principe de l'attente. Or, l'attente, dans l'attente, le Seigneur a pour ambition de travailler nos cœurs. C'est l'objectif du Seigneur. C'est de travailler nos cœurs dans l'attente. Vous voyez? Et on nous fait comprendre que Joseph va être haï par ses frères. Donc, par la haine que les frères de Joseph lui portaient, ben, le Seigneur travaillait son cœur. Vous voyez? Donc, le Seigneur utilise des hommes pour nous façonner. Et on sait, par exemple, que dans l'histoire de Job, dans le fait que le Seigneur voulait faire rentrer Job dans une nouvelle dimension, de partir de l'état de l'homme qui avait entendu parler de Yahweh, d'Elohim, à l'homme qu'il a vu, ben le Seigneur s'est servi des éléments de la nature. Il s'est servi du feu, il s'est servi de l'air, il s'est servi de l'eau, il s'est servi des hommes, d'accord, qui sont venus pour tuer ses serviteurs, ses brebis, et il s'est aussi servi de ses proches amis pour pouvoir le façonner. Le temps. Donc l'épreuve du temps nous permet de rentrer dans les promesses du Seigneur en étant façonnés, frères et sœurs. L'épreuve du temps. Or, le temps, c'est la chose que l'homme ne maîtrise pas. Et c'est la chose qui nous conditionne, si vous voulez. Parce que nous observons beaucoup les années, les jours, les heures, les minutes, les secondes. Parce que notre vie est rythmée par le temps. Vous voyez? Notre vie est rythmée par le temps, le travail, le nombre d'années de travail, l'âge pour se marier, pour faire des enfants, parce qu'on calcule avoir un certain âge pour pouvoir terminer l'éducation de ses enfants, pouvoir travailler très tôt pour préparer sa retraite, préparer des investissements. Ouais. Il y a toutes ces choses qui rythment notre vie au quotidien et qui, malheureusement, souvent, sont sujets à nous amener à sortir des promesses du Seigneur sans se rendre compte à cause du manque de patience. Vous voyez? Et Joseph, le Seigneur va prendre 13 ans pour le façonner. Parce que c'est à 30 ans que Joseph va être établi, d'accord, selon nos temps, le premier ministre d'Égypte. Il va être le second après Pharaon en Égypte. La seule chose qui le séparait de Pharaon, c'était le trône. Et c'est ce que Pharaon va lui dire. Oui. Donc le Seigneur, notre Elohim, lorsqu'il veut nous faire rentrer dans un temps, lorsqu'il donne une promesse, l'Elohim, notre Elohim, il prend le temps pour nous façonner. Il prend le temps pour préparer nos cœurs. Vous voyez? Et j'ai compris une chose avec le Seigneur, c'est que le temps peut passer, les années peuvent passer, mais ce qui compte pour lui, c'est la transformation de notre cœur devant lui. Parce que lorsque le Seigneur veut nous amener à rentrer dans une promesse, il ne faut pas simplement que nous regardons à la promesse, à la belle chose que le Seigneur nous a promis, à la belle chose que nous lui demandons. Il faut savoir que pour le Seigneur, ce qui compte, c'est que nos cœurs soient comme lui le désire. Et lorsqu'il décide de nous donner des choses, d'accord, c'est parce qu'il nous aime. Et dans son amour, la chose la plus importante pour lui, c'est que nous soyons semblables à lui, comme il est. Et pour le Seigneur, ce qui compte, comme on le disait, comme je le disais, c'est notre état de cœur. Vous savez, le Seigneur, on sait qu'il est amour. On sait que le Seigneur est compatissant. Il est riche en bonté. On sait que le Seigneur est patient. Vous voyez, on nous dit par exemple dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient. Ça, c'est les caractéristiques du Seigneur. Et on sait que cet amour-là, le Seigneur veut le mettre dans notre cœur. Et la Bible nous enseigne dans Hébreux 5:5, dans Romains 5:5, je crois, que l'amour du Seigneur répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ouais. Et cet amour-là qui a été répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs doit être manifeste dans nos vies de tous les jours. Et pour ça, le Seigneur utilise des promesses, le temps pour nous façonner. Et la Bible nous dit dans le livre d'Habacouc que si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Le Seigneur, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne ment jamais, jamais.
Les promesses du Seigneur sont oui et amen, et elles s'accomplissent toujours en son temps. Et je voudrais terminer certainement avec un passage que, voilà, dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 1. 1 Roi, le livre de 1 Roi, d'accord, dans la version Bible de Yoshua Mashiach, c'est dans les prophètes. Donc 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 1. Voici. Alors, 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 1. Et voici un homme d'Élohim, vint de Yehuda, qui est Juda, dans d'autres versions, habite elle avec la parole de Yahweh. Pendant que Jéroboam, qui est Jéroboam dans d'autres versions, s'éteignait près de l'autel pour brûler de l'encens. Et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit: Autel, autel, ainsi parle Yahweh, fils, voici un fils naîtra à la maison de David. Son nom sera Yoshia, donc Josias dans d'autres versions. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements humains. Donc, verset 3. Le même jour, il donna un signe en disant: Voici le signe dont Yahweh a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus se répandra, sera répandue. Verset 4. Et il arriva que lorsque le roi entendit la parole de l'homme d'Élohim, que l'homme d'Élohim avait crié contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant: Saisissez-le. La main qu'il étendit contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. Verset 6. L'autel aussi se fendit et la cendre qui était sur l'autel fut répandue selon le signe de l'homme d'Élohim que l'homme d'Élohim avait donné par la parole de Yahweh. Donc ici, il y a un homme, c'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète que beaucoup d'entre nous connaissons. Un homme d'Élohim, voilà, un serviteur du Seigneur simplement, qui serait l'image aujourd'hui d'un chrétien, qui a été envoyé par le Seigneur pour donner une parole prophétique, d'accord, par rapport à Jéroboam, qui lui était le roi du royaume d'Israël. Parce que vous savez qu'après la mort de Roboam, après la mort de Salomon, d'accord, Roboam, son fils, a pris les règnes d'accord, sur le royaume, sur le pays d'Israël. Mais malheureusement, par la prophétie du Seigneur, il y a eu le schisme. D'accord, donc 10 tribus ont été données selon la prophétie à Jéroboam. 10 tribus, et 2 tribus, notamment la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, sont restées dans le royaume, d'accord, de Juda, qui avait pour capitale Israël. On avait le royaume d'Israël qui avait pour capitale la Samarie. Et donc Jéroboam, lui, était roi au niveau de la Samarie, au niveau du royaume d'Israël. Sauf que il était un roi impie qui immolait, d'accord, qui faisait des sacrifices impies, qui avait établi des sacrificateurs, des prêtres, qui n'étaient pas, d'accord, des lévites. Et le Seigneur va être contre cet homme. Et il va donner une promesse, selon l'homme d'Élohim, pour dire qu'il va naître, d'accord, dans la maison de David, un fils, et le Seigneur va même donner son nom du nom de Josias. Et lorsqu'on regarde l'histoire, d'accord, des rois, on a préparé un élément. Donc, si l'équipe technique peut nous afficher la chronique des rois, pour que ça puisse édifier les frères et les sœurs, d'accord, qui nous regardent, la chronique des rois, on va voir combien de temps s'est écoulé pour que cette promesse s'accomplisse, en fait. Voilà, là on a la chronique des rois. Et vous voyez tout au-dessus, on a le roi David, on a ensuite Salomon. Voilà, donc vous voyez, vous avez Juda à gauche et vous avez Israël à droite. Donc vous avez les 2 tribus, voilà, de Juda et de Benjamin. Ce n'est pas l'objet de notre partage, mais c'est juste pour expliquer. Et vous voyez, donc juste pour expliquer comment ça fonctionne la chronologie, en fait, on va de la plus grande année parce qu'on est dans le calendrier. Là, on se base sur le calendrier grégorien, chrétien. Donc on va du principe que c'est des années avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, par exemple, quand on a le cas de Jéroboam, c'est 997 à 976 avant Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi vous voyez, on commence de 997 à 976, parce qu'on décompte. D'accord? On décompte de façon dégressive. Donc,
Au niveau du royaume d'Israël, vous avez justement Jéroboam qui, lui, a régné entre 997 et 976. D'accord? Et Josias, lui, il va naître dans le royaume de Juda, parce qu'on va dire dans la maison de David. Et donc, l'équipe technique, si on peut légèrement descendre, on va voir légèrement, on descend légèrement, voilà, là c'est bon, voilà, c'est bon, on a les deux rois. Vous voyez tout en bas, si on peut surligner, ou bien si on peut faire passer le curseur pour surligner, Josias entre 659 et 629, tout à gauche sur le royaume de Juda, sur le royaume de Juda, tout à gauche, juste après Amon. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Donc, vous voyez, donc vous avez Josias qui lui a régné entre 659 et 629. Alors, si on décompte entre, en considérant que la prophétie, par exemple, avait été donnée aux dernières années du règne de Jéroboam, si on considère entre 976 et 659, alors il s'est écoulé près de 300 ans pour que cette promesse du Seigneur s'accomplissent, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez, il y a même des renvois. C'est un beau travail qui a été fait pour la Bible de Yahushua Mashiach. Vous voyez, vous pouvez avoir des références pour Jéroboam. Voyez, pour Josias, vous avez justement des renvois sur deux rois 22, d'accord, et un chronique, on a perdu le retour au niveau du plateau, c'est pas grave, qui nous permettent justement de comprendre pourquoi l'histoire de ces rois, en fait. Voilà, merci, on a le retour qui est là. On a de nouveau le retour au plateau. Donc, on a perdu le retour. C'est pas grave, on va travailler comme ça. Donc, on a ce roi-là qui est né 300 ans après que la promesse ait été faite par le Seigneur. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que le Seigneur, lorsqu'il nous fait des promesses, ces promesses prennent du temps avant de s'accomplir. Elles prennent énormément du temps. Et nous, en tant qu'hommes, on doit pouvoir rester dans le temps du Seigneur, frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur a fait une promesse. Et il a pris 300 ans pour que cette promesse-là s'accomplisse. Vous voyez? Et le Seigneur va faire la même promesse au peuple d'Israël, aux enfants d'Abraham. Il va dire, tes descendants iront en captivité en Israël pour 300 ans. Vous voyez? 300 ans. Et après quoi je les ramènerai? Après quoi je les ramènerai? Et on sait que le peuple n'est pas sorti 300 ans après. Ils sont sortis, je crois, 323 années après. Ouais. Donc, frères et sœurs, juste pour comprendre que le Seigneur, lorsqu'il fait des promesses, il tient compte du temps. Ouais. Il tient compte du temps. Et la Bible nous dit dans Hébreux 13, on va terminer par là, Hébreux 13, au verset 8, que Yahushua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que lorsqu'il fait une promesse, ce Yahushua qui a fait des promesses dans l'ancienne alliance, c'est ce même Yahushua qui fait des promesses dans la nouvelle alliance aux chrétiens, aux disciples que nous sommes. Et ces promesses prennent du temps. Et le temps, c'est lui qui le fixe. Il peut nous dire clairement que dans 2 ans, je vais te donner quelque chose. Il y a des promesses pour lesquelles le Seigneur peut nous dire, peut nous donner un temps bien défini. Il y a des promesses pour lesquelles le Seigneur peut nous dire, je vais te donner simplement telle chose. Et le temps, c'est le Seigneur qui va le définir. Et dans ce laps de temps, le Seigneur va façonner nos cœurs. Et dans cette attente, frères et sœurs, ce qui compte pour le Seigneur, c'est que nous soyons prêts. Merci Seigneur. Un autre aspect dans l'attente, vous savez, lorsqu'on va voir dans Matthieu 4, si on peut prendre Matthieu 4, Matthieu chapitre 4, si l'équipe technique peut nous aider, si c'est possible. Matthieu 4. Alors Yahushua fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'étant approché dit, « Si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit et il dit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et lui dit, si tu es fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Verset 7.
Yoshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Elohim. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais Yoshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Elohim et rendras ton culte à lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges s'approchèrent et le servirent. Frères et sœurs, vous voyez, en fait, derrière, il y avait une promesse du Seigneur, d'accord, pour que les anges, d'accord, servent et pour que le Seigneur soit, que Yoshua, homme, d'accord, parce qu'il est homme et Elohim, Yoshua, homme, soit agréable à Yoshua, Elohim, vous voyez. Pour cela, il fallait qu'il reste sur la parole du Seigneur. Or, la parole du Seigneur, ce sont les Écritures, certes, mais c'est aussi les paroles que nous recevons du Seigneur dans l'intimité, mais qui sont en accord avec la Bible. Vous voyez, parce qu'on peut recevoir quelque chose dans l'intimité, mais qui n'est pas en accord avec la Bible. Donc, la parole du Seigneur, c'est aussi celle qu'on reçoit dans l'intimité, mais qui ne va pas à l'encontre de ce que l'Écriture enseigne. Vous voyez. Donc, ces paroles-là, pour qu'elles s'accomplissent, comme la parole que Yoshua avait reçue, d'accord, qui devait être équipée, qui devait être oint, d'accord, ces promesses-là qui ont été faites dans l'ancienne alliance pour qu'elles s'accomplissent, il a fallu que Yoshua reste sur la parole du Seigneur, Yoshua homme. Ouais. Donc, frères et sœurs, les promesses du Seigneur sont oui et amen, et elles s'accomplissent toujours dans nos vies. Donc, soyez encouragés, vous qui passez par des épreuves, soyez encouragés, vous qui vous posez beaucoup de questions, est-ce que vous avez fait le bon choix d'être enfant du Seigneur, de marcher avec le Seigneur? Oui. Ne doutez pas, vous avez fait le choix d'être enfant de Dieu. C'est un très bon choix. D'accord? Vous ne regretterez pas. Et je crois que le Seigneur a déjà fait tellement dans vos vies que vous avez de quoi vous attacher au Seigneur. Et si vous pensez qu'il n'a pas encore fait, bien attachez-vous à lui et il vous démontrera qu'il est l'Elohim puissant, véritable, qui ne déçoit jamais. Il est bon notre Elohim, il est bon Yoshua. Ce qu'il promet se réalise toujours. Donc soyez encouragés, vous qui vivez les combats. Votre Elohim vous garde, votre Seigneur Yoshua vous garde. Et soyez encouragés et sachez que les souffrances qui vous sont affligées dans votre chair, dans votre cœur, dans votre pensée, vos frères, moi votre frère qui les vit, qui vous parle, d'autres frères dans le monde, les frères qui sont à côté de vous, vos voisins, les frères avec lesquels vous vous réunissez, tous ces frères-là, partout dans le monde entier, sans exception, vivent les mêmes souffrances sous d'autres formes. Voilà, donc vous n'êtes pas seul, nous sommes tous ensemble et la parole nous enseigne que nous devons prendre part aux souffrances de Christ pour pouvoir hériter d'accord avec lui. Donc soyez encouragés, soyez bénis et que le Seigneur vous garde dans sa présence et à la prochaine lorsque Elohim le voudra. Bonne soirée à tous.